La CAJAXO 3ème reçoit Le Mans 19ème. Des Corses toujours très bien placés pour la montée. Mais attention à eux, ils commettent des bêtises à domicile. Ils sont sur 2 défaites de suite à la maison contre Auxerre et Châteauroux. Alors qu'ils sont sur 3 victoires de suite à l'extérieur. La première attaque est en faveur de la CAJAXO. Un ballon très mal dégagé par la défense du Mans. Le ballon est superbement enroulé par Tramoni. Mais l'arbitre du match refuse ce but. On en reste à 0-0. Dommage pour Tramoni et pour la CAJAXO. Nouvelle chance pour la CAJAXO sur ce centre. Le ballon est capté par le gardien Pierre Patron. Mais la balle franchit la ligne. Erreur immense du gardien du Mans. Alors qu'il ne restait que quelques minutes à tenir pour le Mans avant la mi-temps. Le 0-0 était tout proche à la pause. Mais Pierre Patron fait le pas de trop en arrière. Et le ballon a bien franchi la ligne. But contre son camp du gardien du Mans. 1-0 pour la CAJAXO. C'est un coup dur pour l'équipe mancelle. Alors qu'elle pensait tenir le point du nul à la pause. Mais ça fait bien 1-0 pour Ajaccio. Le Mans n'a remporté aucune de ses 6 dernières rencontres. Il n'y a eu que 2 points pris. Inquiétude pour le promu qui est dans la zone des relégables. En seconde période, nouvelle occasion. Cette fois-ci pour Kuipers. Côté Corse. La CAJAXO reste la meilleure équipe sur le terrain. Et les Manceaux ont du mal à aller de l'avant. Ballon pour Gaëtan Courté sur le côté droit. Il est souvent en position de buteur. Ici, il est passeur décisif vers Mathieu Coutadeur à la 66e minute. 2-0. Deuxième but de la saison pour Coutadeur. La CAJAXO est efficace quand il faut et maîtrise son match. Les Corses continuent pour, pourquoi pas, marquer un troisième but. Nouveau mouvement dans la surface avec cette reprise sauvée par Pierre Patron. Encore une chance de marquer pour Matteo Tramoni. Pas de but supplémentaire dans cette partie. Une excellente opération pour la CAJAXO avec cette victoire 2-0 contre le Mans. La CAJAXO est deuxième de Domino's League 2.